ma vraie chronique, c'est tout ce qu'a dit Gérard Jugnot sur les réseaux sociaux. Mais comme il faut bien parler d'autre chose. Alors, vous connaissez ce vers de La Fontaine. Elle se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Alors, je vous resitue l'action. On se souvient, la cigale a chanté tout l'été, elle n'a rien mis de côté. C'est la dégelée à l'heure dégelée. Et ça fait rigoler la fourmi qui, elle, a de quoi cuisiner. Bref, la cigale déchante, la fourmi micro-ondes. Et moi, je récupère le vers parce que moi aussi, je suis très dépourvue chaque fois que la bise arrive. Et moi, c'est par tous les temps. Parce que la bise dont je parle, eh ben, c'est celle qu'on se fait tous chaque matin. Et comment ça va bien? Je parle bien sûr du béco, du palo, du poutou, du bisou qu'on se claque sur la joue. Samedi, ce qui m'y a fait penser, j'ai croisé un copain. Je m'apprêtais à lui faire un aller-retour, joue gauche, joue droite, et hop, on reprend les affaires courantes. Et ben non, il m'en a cloqué, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, six! J'avais pourtant compris la première fois, il s'était enrayé ou quoi? Le bisou, moi aussi je suis pour. Dans certains cas, ça permet même de vérifier, là aussi, la fraîcheur de la viande. Ça se consomme aussi parfois avec gourmandise. Tiens, tout à l'heure, Gérard Jugnot m'a fait la bise. Et ben moi, j'ai trouvé que c'était bien. C'est toujours ça de prix sur l'adversité. Et Patrick, Eric ou Régis, malgré le mal qu'ils disent de Nabila, ils se verraient bien la bisouillant. Malgré les précautions d'usage à prendre, vu l'importance de la piste d'envol qu'elle s'est faite sur le devant. C'est tout fait, hein. Bref, le problème n'est pas de savoir s'il faut se faire la bise, mais combien il faut s'en faire. Moi, deux, ça me paraît bien équilibré. Deux seins, même chez moi. Deux fesses, et le pendant pour les garçons, deux bises. Alors c'est logique, après on peut reprendre une activité normale. Mais combien de fois le biser, combien de fois il arrive que le biser vous agrippe par un sonore? Ah non, moi, dans ma région, moi, on en fait quatre. Du coup, vous prenez votre élan pour le suivant, mais lui, ah ben non, lui, il vient d'une région, on s'en fait deux. Alors, vous restez en apnée comme le thon sorti de l'eau. Moi. Du coup, le vent est pour vous, et c'est désagréable, même si le vent et la bise, ça va ensemble. Bref, la bise, c'est en fait un problème de coutume régionale. Un exemple, si vous voulez déménager parce que faire 4 bises à 20 personnes tous les matins, c'est un boulot à plein temps intégré dans le planning, optez alors pour le Finistère ou les Deux Sèvres. Peut-être un jour baptiser les Deux Lèvres, parce que là, on fait un seul poutou au poteau, c'est toujours ça de gagner. Deux, en revanche, dans le Cher, les Landes, la Dordogne, Corrèze, etc., etc. Ou encore dans le Doubs. Dans le doute, abstiens-toi. Dans le doux aussi, épande ta salive. Plus que dans le Cantal, la Lozère, l'Aveyron, l'Ardèche, le Gard ou Gard, là, on en fait trois, comme dans les Bouches-du-Rhône, non prédestinés. Et il y a tout de même quand même plein d'endroits où tous les jours, il faut doubler la mise, deux par jour et par jour, j'y arrive. Par exemple, dans la Nièvre, on n'est pas Nièvre. Et me demandez pas combien on en fait en Ile-de-France. En Ile-de-France, on en fait deux, donc j'ai plutôt de la chance d'habiter là. Mais là, autre souci, bêcheurs et baisseuses font, paraît-il, semblant. Ils biaisent au lieu de biser. C'est du faux bisou qui est au vrai ce que l'aspartame est au sucre. L'œil et la bouche dans le vide, surtout les filles. Alors là, moi, je plaide, ben oui, évidemment que c'est vrai. Vous croyez quand même pas qu'on passe, nous, du temps, les filles, à se préparer, se pomponner, se peaufiner, pour que le premier venu enlève tout le fond de teint en bisou ventouse, sans parler du rouge à lèvres qu'on laisse sur la joue de l'autre. Non, on n'est pas dans les experts, on n'a pas besoin de laisser son ADN partout, non, mais... Alors moi, allez, sur ce, la bise et à la semaine prochaine. C'est mais désolé. Franchement, faut s'ajuster là-dessus. Je voudrais ajouter un autre truc, c'est qu'il y a dans certaines régions, ils commencent par la joue gauche. Et oui, ah oui, 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 oui. Et souvent, là, on risque un truc. Absolument. On vise la bouche parce qu'il y a des accidents. C'est comme Isabelle, dans la liste des synonymes de bise au début, vous avez cité palo. Alors donc, ne le faites pas, parce que ça, palo, pour moi, c'est plutôt le French kiss avec la langue. Donc on le fait pas le matin aux collègues de bureau. N'ergotons pas. Ou alors, c'est vraiment, on s'entend très bien avec ses collègues. C'était pour la beauté de l'écriture. Vous n'êtes pas sensible. Mais je suis très sensible au palo. Eh bien, merci Isabelle Morini-Boss.